épisode 99 avec Mariana Mazza, qui est un solide épisode. Oui, ouais, vraiment, c'est très cool. Et comme c'est un solide épisode, on a un solide commanditaire. Ouais, Lance Banger, tout le monde. Lance Banger, qui est un personnage de JP Reagan qu'on adore, qui a fait un tabac, oh, je déteste cette expression-là, qui a tout pété au gang show. C'est rendu un personnage... Je veux dire qu'il a cartonné. Oui. J'haïs toutes ces expressions-là. Mais JP a décidé de partir de la merch Lance Banger, qui est portée en ce moment par Jean-Thomas Jobin. Oui. Sûrement lui. Je sais pas. On dirait, hein, c'est vrai qu'il y a le bas de, qui ressemble un peu, là, ouais, je sais pas. Un petit faciès. Donc, le chandail Lance Banger Production, un véritable chef-d'œuvre à l'image de ses productions. Arboré fièrement Lance Banger Production, c'est affiché une assurance inébranlable, en plus d'être un incontournable pour ceux qui osent faire de la pub gratis pour leur compagnie de divertissement pour adultes préférée. J'aime vraiment le logo, en plus. Oui, c'est cœur. Il y a aussi le sac banane, la poche à Lance, ce qu'on appelle... C'est ça le nom du produit. Elle contient beaucoup. Beaucoup. Elle se dézippe et se vide d'un coup. Elle est munie d'une pochette intérieure de la grandeur d'un cellulaire parfaite pour trader ses propres condoms. Merci à Lance Banger. Le lien est en bas. C'est pas une joke. On peut vraiment acheter ces affaires-là. Puis moi, je me commande le sac banane live. Yes. Et vous commandez un épisode parce que vous avez cliqué sur play. Ça part là. Ouais. Et on va passer tout de suite parce que cette personne-là, la juge qui est là ce soir avec nous, va parler pendant 45 minutes avant de commencer le show. Faites un maximum de bruit pour Mariana Mazza! Yeah! Ils ont même pas ouvert mon micro. OK, il est ouvert. Allô? Oui, ça va? Hey, ça va bien, vous autres? Ça va. Content que tu fasses encore des activités avec la plèbe. La vérité, c'est que j'allais vous annuler. Mais je suis vraiment contente de revenir aux sources, de juger du monde puis d'être payée pour ça, parce que d'habitude, on me paye pas pour juger le monde. Mais là, je suis très contente. T'es en train de dire que le gang show te paye plus que le prochain stand-up? Ben, suis-tu payé pour vrai ce soir? 75$. Suis-tu payé 75$? Payé 60... Puis je suis sûr que vous êtes des fils de pute, puis je suis même pas payé, genre, sous la table. Je dois payer de l'impôt là-dessus. Ouais, ouais, ouais. Pas le choix. Je sais que c'est graines. Ouais, ouais. Ça sert à quoi que je sois ici, câlisse? On se le demande. Ouais, c'est ça. Ben, je suis vraiment contente d'être là. J'ai vu des extraits, c'était bien le fun. Je... Ah, mais c'est quoi? Je suis pas abonné à votre crise de Patreon, j'ai une vie, esti. Ben non, c'est correct. Faut que t'élises tes livres que tu vas parler à la radio. Faut que j'élise mes livres, hein? Allez parler à madame de 70 ans. Mars, t'as-tu des conseils pour les humoristes? Hein? Des conseils? Tabarnak! Genre, comment pas te mettre les pieds dans les plats, des affaires du genre, là. Bon, ça, je suis pas la bonne personne pour ça. des conseils? Ben, je sais pas à quel point vous faites ça sérieusement ou si vous le faites parce que vous voulez, genre, faire ce métier-là pour vrai, mais si vous le faites parce que vous voulez vraiment faire ce métier-là, ben, premier conseil, venez plus ici. Ça, c'est la première des affaires. Allez dans un vrai open mic, tabarnak. Mais faites attention à ce que vous dites. Peut-être que les blagues peuvent se retourner contre vous. Fait que ah ouais? Si vous voulez juste être drôle pour être drôle puis dire des blagues, mettons, qui vont être... Parce que tu peux être cancellé assez vite, là. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est ça, là. On peut tout être cancellé très vite. En plus, on est live sur Internet. Non, fais attention à ce que tu dis, tabarnak, aujourd'hui. Mais juste, amusez-vous, puis dites-vous qu'il y a du monde qui ont payé 15$ pour être ici. Fait que soyez drôle, Calis. C'est ça le plus important. Et pendant que vous avez payé 15$, il y a des gens qui ont payé 5$ pour rester dans le confort de leur maison. On a combien de personnes en live? On a présentement 261 personnes qui nous écoutent en live! Fuck yeah! Et ça monte! Et ça monte! Holy shit! Ouais! Qu'on ait 361 personnes à juger la première personne qui va monter sur scène. Est-ce que vous êtes prêts à commencer ça? Charles, je te laisse présenter. Et on commence ça avec Kim Beaunoyer! Hey, salut, bordel! Ça va bien? Yes! Moi, c'est Kim. Excusez. Ben, salut! Moi, je viens de Thetford. Est-ce qu'il y en a par applaudissement qui savent c'est où, Thetford Mines?
Parfait. Pour ceux qui ne le savent pas, en fait, ça, c'est la place où ce que les gars de la voirie travaillent avec des scaphandres parce qu'ils ont peur de l'amiante. L'amiante, c'est quoi ça? Moi, je n'ai mangé quand j'étais jeune. C'est peut-être ça qui explique mon style de voix de marde puis mon gros pénis. Moi, avant de monter sur le stage, j'étais bien, bien stressée. Fait que j'ai bu beaucoup d'alcool, beaucoup de shooters. En fait, toutes les fois que je vis une situation stressante dans ma vie, je bois. Je suis pas en train de vous dire ici que j'ai un petit problème d'alcool. J'ai un gros problème de stress. Parlant de stress, c'est fou ce que ça fait sur le corps humain. Moi, ça me fait faire de l'eczéma chronique. Savez-vous qu'est-ce qui aide pas l'eczéma? L'alcool. Merci la vie. Merci, maman. Je suis aussi intolérante au lactose. Puis on va se le dire, dans vie, c'est fucking bon, du fromage. Fait que... Oh, il y a eu un petit peu chaud. Fait que c'est ça. Moi, j'en mange tout le temps, partout. Partout où je vais, j'ai mes ficellos dans mes poches. Puis l'effet que ça me fait quand je mange des produits laitiers, excusez, je voulais pas vous parler à la bouche pleine, c'est comme une bombe à retardement, puis le compte à rebours est déjà starté. Fait que si je suis quelque part, puis je te dis, arrête, faut que j'y aille, arrête. Sinon, nos vies deviennent 50 nuances de brun. Puis là, je sais qu'il y en a qui vont me dire, pourquoi tu prends pas des lactaides, Kim? Ben, je suis aussi intolérante aux lactaides. La différence que ça me fait, c'est que ce qui sort de... Ben, je vomis une belle petite purée brune. Même texture que ce qui sort... Kim Beaupoyer! Je te l'ai volé d'un verre. Il est collé sur tes limites! À jouer avec ma patience! Tabarnak, par où commencer? C'est-tu de même que ça marche? Oh, oui, parfait. Je peux me lancer, ah, là. Tu y vas, y a pas... Allô, Kim. Salut. Merci d'être là. On va commencer avec toi. T'es très courageuse de venir ici pour faire ce numéro-là, qui était pas très bon. C'est-tu ta première fois sur scène? Ben, j'ai une dizaine de shows de fête. OK. Est-ce que t'aimerais faire ce métier-là? Oui et non. OK, parfait. Mais je m'amuse. T'as un vrai intérêt. Oui, mais okay. Je m'amuse. Tu me permets de te donner des vrais conseils, même si on est ici pour t'insulter? Oui, vas-y. Bon, le ficello, tout ça, elles n'ont plus jamais fait ça, tabarnak, si tu veux frencher à soir, c'est dégueulasse. Ça me lève le cœur, si j'ai la bouche pâteuse. Les blagues de caca, mon expertise, ils étaient pas très bonnes, mais je pense que tu peux t'améliorer avec le temps. Une chose... Et essaye d'avoir... t'as probablement plus confiance que la plupart du monde qui te juge parce que t'es sur une scène, fait que bravo. Mais le micro, à toutes les fois de faire ça, ça te sert absolument à rien. C'est comme si tu nous laissais tomber. Tant qu'il n'y a pas être drôle, assume-le jusqu'au bout puis check le monde dans les yeux en faisant « Regarde, je vais pas être drôle, mais je vais le tenir, le style micro. » Fait que assume-le jusqu'à la fin puis tu vas voir que tu vas pogner une coche. Mais hey! Pour rebondir vraiment ce qu'elle dit sur le micro, c'est que quand t'as une bonne joke puis que tu laisses tomber, c'est pas si pire, mais c'est que là, après ça, chaque fois que tu laisses tomber, c'est comme si t'annonçais un punch puis des fois, il y en a pas. Fait que là, le monde se dit « Ah, oh, j'étais supposé de rire! » Puis là, fait que c'est ça, ça. Moi, Kim, je t'ai trouvé excellente. Je pense que si Madza t'a gagné, c'est parce que t'as dit que t'étais une femme avec un pénis puis ça la gosse, là, qu'il y en a eu l'autre. mais je n'ai pas pour vrai. Pardon! Ben, je pense que... Hey, je vais juste expliquer pourquoi j'ai gagné. C'est ça, c'est gagné? On pas encore trouvé le bon verre. J'ai gagné parce que c'était... Calice, je pouvais plus te laisser être tout seul là-dessus. Là, c'est bon! C'était au-delà de niaiser. C'était juste, OK, on va arrêter ça là, on va lui donner 3-4 conseils à revenir, puis elle va tout péter la prochaine fois, ce que j'espère de tout mon cœur. Parce que là, c'était la bande raide, là. Hey, t'es pas prête pour le reste du show. T'as juste vu les extraits. Les extraits, c'est les meilleurs moments. Ouais. Fait que... Mais Kim,
En fait, aussi, c'est dans le rythme. Non seulement le micro, ouais. On l'aurait peut-être moins vu, mais à un moment donné, c'était très monotone. Toujours la même musique. Fait que essayer de varier un peu. Fait que ça ressemblerait à ça, mais après 10 shows, ça va, là. Genre, c'est correct. C'est, okay. Hey, continue à en faire. C'est ben comme oui. ça qu'on devient bon ou moins bon. Mais exact. C'est juste fais-le. Puis tu fais quoi dans la vie? Je suis coiffeuse, puis barmaid. Wow! Ça, c'est... Tu sais que j'adore l'accent de Ted Ford. Alors, dis donc, barmaid. Barmaid? Ça sent la Black Label. On dirait que c'est... C'est exactement notre plus gros vendeur de la grosse Combien de machines à sous au bar est-ce que tu travailles? 5. C'est ça, je pensais. T'as-tu vu comment t'es drôle, là? T'es du tac au tac, tu nous regardes dans les yeux, tu droppes pas ton micro, ça va être demain la prochaine fois, OK? Yes! Kim Beaunoyer! Et on continue ça avec Jérémy Beaulieu! Bonsoir. Je vais pas super bien ces temps-ci. Si juste ça vous fait rire, on va avoir une excellente soirée. Ben des décès dans ma famille récemment. Ma tante est décédée. Et maintenant, j'ai le lit dans lequel elle est morte. Et par respect pour elle, j'ai commencé à dormir dedans. Et je ne sais pas si tu as déjà dormi dans le lit dans lequel quelqu'un est mort, mais c'est fréquent. On dirait que tu peux encore sentir la présence de la personne, quasiment comme si c'était hanté. Mais avec le temps, j'ai trouvé le moyen de ne plus ressentir ça. J'ai juste à enlever le corps. Le mois passé, c'était l'enterrement de mon grand-père. Et on a fait la fameuse tradition où chaque membre de la famille prend une pelletée de terre et la met dans le trou. Donc, un après l'autre, on a pris une pelletée de terre, mis dans le trou. C'était vraiment triste. À la fin, on était content que c'était fini. Quand mon grand-père a enfin arrêté de respirer. Je me rappelle quand ma sœur avait 11 ans. Elle a été voir ma mère en paniquant, en disant « Maman, maman, mon vagin saigne. » Et ma mère a tenté de la rassurer en lui disant « C'est normal, ma chérie. Inquiète-toi pas, t'as tes menstruations. Toutes les femmes vont à travers ça. » Et ma sœur a dit « Ah, ça me rassure. Je pensais que c'était à cause de ton vibrateur sadomaso que j'ai trouvé. » J'ai un demi-frère avec qui je m'entends pas, vraiment pas. On a le même père, mais différentes mères. Et l'autre jour, on s'est chicané, il m'a traité de fils de pute. J'y ai dit, comme si ta mère était mieux que la mienne. Père a payé plus cher pour coucher avec la mienne. Bon. Je sais que je viens de parler en mal de ma mère, mais c'est quand même une femme à qui je dois la vie. Cette femme-là m'a sauvé la vie. Quand je suis venu au monde, j'ai manqué d'air. C'est pour ça que je suis le même. Et elle a tout de suite vu la situation et elle est intervenue en arrêtant le docteur de me tenir la tête dans l'eau. Jérémy Beaulieu! Jay, on t'a gagné, mais bravo. Pour vrai, fucking bravo. C'est merci. La cinquième fois, je pense. Mais pas que tu fucking, viens... mais. Non, c'est parce que tu l'as pas vu les autres fois. Ah, qui c'est? Non, c'est quatrième. Mmh. Quatrième? Bravo. Folle amélioration. T'as compris quelque chose. Il en reste beaucoup à comprendre, mais c'est déjà fucking mieux, OK? Tes gags sont bien écrits. C'est écrit en blague. Je pense qu'on a gagné parce qu'à un moment donné, c'est le même pattern tout le long. Puis on le sait que chacune de tes blagues, tu tues quelqu'un à la fin. On l'a compris. Fait qu'il n'y a pas juste le public qui a tué, là. Je pense j'en ai deux dans lequel je tue quelqu'un, à peu près. Non, justifie-toi pas, là, Chris. Mais, pour vrai, folle amélioration. Si tu continues comme ça, vibrateur sadomaso, j'ai noté... Je veux pas... Excuse-moi, parce que c'est juste drôle quand c'est toi qui dis ça.
Non, mais je veux pas te prêter d'intention, mais quelqu'un qui dit vibrateur sadomaso ne connaît pas beaucoup la sexualité. Ben, toi non plus, là. Est-ce que... Ben, justement, tu viens de le dire. Voilà. Mais en même temps, c'est drôle, vibrateur sadomaso, mais j'avais l'impression d'entendre un enfant de 12 ans qui parle de quelque chose qu'il sait pas à ce moment-là. Mais bravo, pour vrai. J'ai fini mes blagues. J'ai écrit... Oui, tu voulais dire de quoi? Vas-y, vas-y. Oui, je veux juste rassurer le public, là. Ma mère est pas pantoute comme que je l'ai décrit. Ah, mais tu fais bien. Ah, ça, là, c'est très smart. C'est important de dire ça, vraiment. Je veux pas que ma mère reçoive des poursuites basées sur ce que le monde voit. Non, ta mère ce que écoutera. Tu veux dire, c'est qu'elle t'a pas sauvé à temps, c'est ça, finalement? Non, non j'ai... Ben, c'est une joke. J'ai même pas manqué d'arrêt à naissance. Puis non, le docteur, il a pas fait ça. Ben, ça, c'est ce qu'ils t'ont dit, là. Mais... j'ai... À date, c'était le meilleur gag de la soirée. Fait que, j'ai écrit deux choses. Ça aurait été le fun. Tes chutes étaient drôles au début, mais c'est vrai, c'est le même pattern. Mais ça aurait été le fun qu'à la place du vibrateur sadomaso, quand ta sœur... J'ai écrit ça parce que je me suis dit, c'est le genre de choses qui pourraient être cool, c'est d'aller ailleurs. Parce que ton gag est bon, mais c'est juste que c'est la même chute. Fait qu'on va dire ta sœur qui dit, ah, les menstruations. Ah, une chance, c'est les menstruations parce que... un gag de viol, mettons, aurait été comme plus surprenant. Tant qu'elle trash... Va ailleurs, puis surprends-nous dans l'intensité. Mais les gags, au début, étaient super bons, c'est juste que c'est resté le même pattern. Puis l'autre note, c'est... T'as déjà sucé un mort, hein, toi? Je sais pas pourquoi j'ai noté ça. Non. T'as la face de quelqu'un qui a déjà essayé quelque chose de même. Non. C'était vraiment une question très personnelle. J'ai ma réponse. Je refuse de répondre sans la présence de mon avocat. Mais t'es franchement sympathique et très cool de répondre comme ça puis d'être encore sur le stage puis pas être en crise. Je connais des professionnels qui sont allés à une émission de télé puis qui étaient en tabarnak. Toi, tu restes là. Oui, oui. On nommera les noms plus tard, mais t'es... On les sait, on était backstage avec ouais, eux. Oui, je sais. Parce que on moi, le sait, ils ne parlent plus. Ben, moi, je vois ça comme constructif. Absolument. Ben oui. C'est tout en ton honneur. Puis je te trouve franchement sympathique. Vraiment. Juste surprends-nous avec d'autres gags à la place que ce soit la même chute. Puis je pense que ta cinquième présence, personne ne va gagner. Merci. Fais-y pas des faux espoirs non plus. Ben, aussi. Puis tu sais, non seulement en plus, il est gentil, mais je suis sûr que si t'échappes une boîte de cure-dents à taille, quand on a dit le nombre de cure-dents. Ben oui. Oui. Ouais, c'est ça, je suis Rain Man. Mais honnêtement, folle amélioration. Je te dirais que moi, dans mes premières fois sur scène, vu que j'étais moins punché qu'aujourd'hui, j'allais souvent dans le trash juste pour m'assurer d'avoir une réaction. Si c'était pas un rire, au moins d'avoir une réaction. Puis je pense que c'est un pattern que beaucoup de jeunes humoristes ont. Fait que je te dirais peut-être, essaye un 5 minutes pas trash pour comprendre comment avoir des bonnes réactions. Puis après ça, si t'as le goût de vraiment aller dans le trash, là, tu peux te le permettre, mais en connaissant bien les procédés humoristiques. OK. Puis... T'as probablement des choses très drôles à raconter, je pense, autres que des choses qui n'existent pas. Il y a des vraies affaires que tu dois vivre. Il y a du monde qui doivent te juger pour de vrai. Tu dois vivre des petites tristesses qui sont pas le fun, mais qui sont crissement payantes et drôles quand t'es un humoriste. Joue donc là-dessus. Fais une liste des choses qui te font mal. Fais une liste de choses des gens qui ont pas été fins avec toi. Puis ris de ça. Puis on va trouver ça drôle. Alors, on veut pas qu'ils se suicident non plus. Non, mais les meilleures blagues qu'on fait en tant qu'humoriste, c'est les choses douloureuses. Parce que quand on va bien, on n'est pas drôle. C'est vrai. Fait que, ben, c'est vrai, donc ça pour le fun. Ben, j'ai déjà des textes de ça. Là, ça, j'en doute pas. Ça paraît tant que ça. T'es un amour, Jérémy. Moi, je t'aime beaucoup. J'ai hâte de te revoir pour vrai avec cette amélioration-là. On peut applaudir Jérémy Beaulieu! Et on continue ça avec Angelo Chiraldi. On peut l'applaudir! Oui! Tabarnak! C'est de la merde, ta présentation. Attends, on va recommencer. Angelo Chiraldi! Je peux pas croire qu'ils ont gagné un an du cabin. Hein.
Allô, je m'appelle Angelo, puis je suis comme Anthony, moi, je suis précoce. Lui, il vient vite, moi, je suis né fucking trop tôt. J'ai trouvé une personne qui m'aime pour qui je suis. OK, je l'ai payé pour partir avec. C'est rendu fucking cher, un hamster. Moi pis mon hamster, on a des activités. Son activité préférée, c'est jouer à cachette dans mon linge. À un moment donné, j'avais une date, puis la fille, elle dit « Oh, je t'ai fait de l'effet, ça bouge dans ton pantalon. » Elle a capoté quand j'ai mis ma main dans mes culottes pour qu'il donne de la moulée. On a fait du pédalo aussi. Ouais. Là, je vous conterai pas une joke, là, on a tourné juste un bord. Monsieur a des meilleures jambes que moi. Mais moi pis mon hamster, on s'est chicané. Ouais, je l'ai échappé dans le bol, sans faire exprès. Puis j'avoue que pendant 2 minutes, je me suis dit, je le flush-tu, je le flush pas, je le flush-tu, je le flush pas. Finalement, inquiétez-vous pas, je l'ai sauvé la vie, je l'ai sorti de l'eau puis je l'ai mis dans les riz pour qu'il refonctionne. Là, je peux dire, ça me sert, ce truc-là, c'est vrai. Moi, quand je prends mon bain, je me roule tout le temps dans les riz puis je marche pas plus. J'ai essayé un autre animal, hein. Je me suis acheté un poisson rouge, mais ça me rend fou. Je l'ai appelé Polochon, comme le poisson de la petite sirène. Parce que moi et la petite sirène, on vit la même affaire, tu sais. On sait c'est quoi vivre avec une grosse queue. Continuez à rire. Là, tu te demandes pourquoi je suis répondant sur mon hamster, parce qu'on est pareil, hein. On a une pilosité super douce. On est athlétique. Puis quand on tombe sur le dos, on a de la misère à s'enlever. C'est réussi! Angelo Chiraldi! J'ai dit continuer à rire parce qu'il restait 4 secondes puis il n'y aurait eu aucun gag plus fort que le dernier. C'est pour ça que je voulais qu'on finisse sur un high. Je connais Angelo, je parle de lui comme s'il était mort. Je le connais depuis... on pense tous qu'elle a crevé plus vite que ça. Non, moi, j'ai manqué d'air pour vrai, en plus. Mais c'est ça qui est fucked up, c'est que tu serais pas aussi drôle si t'étais pas handicapé. C'est ça qui est fou. On rit, c'est fou. Je suis convaincu. Je pense que le fait que t'es handicapé t'a fait développer des gags tellement incroyables. T'es tellement rendu ailleurs que... Je te dis, le seul défaut, ouais, c'est un défaut que je pense que tu peux pas contrôler, c'est que des fois, tu bégayes au moment de ton punch. Mais ça, tu t'es amélioré. Ouais, contrôle ça, non, calice. Non, mais il peut. Non, mais Chris, arrête. Il s'est amélioré. Avant, je comprenais rien, tabarnak, quand il a commencé à faire de l'humour. Là, il prend des pauses au bon moment, puis il sait que s'il y a un spasme d'excitation, il le fait pas pendant qu'il est en train de puncher, est-ce-t-il? À un moment donné, il est handicapé, il est pas cave, Chris. Ben, j'étais un peu cave quand même. Ouais, ça aussi. Mais tu t'es beaucoup amélioré avec les années, surtout dans ton rythme. T'essayes pas d'aller trop vite parce qu'on comprenait pas. C'est vraiment, t'es la meilleure version de Dave Richer. Je trouve vraiment que... Ouais, ben, je suis meilleur que Dave Richer. Ben, ça, tu le pètes, esti. Ben, je sais pas qui gagne, finalement. J'ai déjà volé un contrat parce que je cherchais un handicapé qui court. C'est bon! T'es cœur, Angelo, t'es cœur, hein, bravo, man. Ben, t'étais à mon premier show à vie, tu savais. C'est-tu vrai? Ouais. Ah, c'est...
À l'Abreuvoir? Ouais, puis c'était Nicolas Lavoie qui animait. Oh boy! Ah, ouais, Nicolas Lavoie! Ouais, c'est ça, personne réagit. mais mon gars, ça fait 13 ans de ça. Ouais. Parce que j'ai commencé il y a 13 ans, puis c'était mes premiers shows, c'était à l'Abreuvoir. Puis je trouve ça fascinant, des fois, des humoristes qui se plaignent parce qu'ils trouvent que le public est poche, parce que ça n'a pas ri. Toi, jamais tu vas pouvoir te plaindre de ça. Parce que moi, ça a tout le temps. Ouais. C'est exactement ça. Je te le dis, t'as une confiance exceptionnelle, puis moi, je t'admire. Non, t'es fucked up pour de vrai, Angelo. Je te sucerais si jamais ça. Mais dis-le à l'industrie. J'haïs ça, fait que... Ouais. Ben, il n'y a plus grand chose à dire, à part. Tu le sucerais toi aussi? Ben, pas parce que. Non, il y a une grosse queue. Ben, t'as-tu une grosse queue ou vu que tu marches pas et juste ankylosé? Comme le micro, là. Ben, moi, j'aurais peur de le sucer parce qu'il shake des mains, donc j'ai peur qu'il pousse trop profond avec sa main. Ben, Angelo, c'est la première fois que je le remarque. Un truc, puis je te donne un conseil, ça n'a pas rapport, là, on est au même niveau de. T'as plus d'expérience que moi, mais tu regardes à terre après certains gags. Ouais. Ah. Si tu réussis à... Juste ça, ça va t'aider à garder... Mais honnêtement, je pense que mon micro, il est trop bas. Ah ouais. OK. Mais c'est la seule chose, sinon, t'as fait notre ouais, best-up. Ben, une béquille de plus, une béquille de moins. Là. Angelo, t'as fait notre best-of le 24 juillet à Juste pour rire. Excusez. C'est parce... Il y a eu un standing ovation, puis j'ai comme Chris, c'est chier pour un gars qui s'est pas soulevé. Et tout le monde scandait que tu devrais être juge. Et c'est vrai que tu devrais être juge au Gang Show. Le 23 août, si ça tente, on check ça après, mais tu veux-tu être juge? Je me demandais quelque chose. Est-ce que je peux venir faire mon une heure et demie? Oh, tabarnak! Moi, je dis que si tout le monde dit oui, puis tout le monde applaudit, t'as ton une heure. Ah okay. Ouais! Ben oui, t'es mieux de dire oui, Chris. Ouais, j'ai dit oui, j'ai dit oui! Yeah! Bon, ben, finalement, laisse faire être juge, ça va être la mort. Je m'engage, dès que t'as ta date du bordel, je te fais la plus belle promotion du monde avec mes 400 000 followers d'Instagram qui me follow plus vraiment. Mais je fais ce que je peux pour te remplir ta salle avec ce que je peux. Pis toi aussi, tabarnak. Le Chris, c'est 80 personnes. Il est capable, Esti? Non, il est pas capable. OK. On va tout donner de l'amour, Esti, puis on va remplir sa calice de salle parce que c'est ce que tu mérites. Bon, Angelo Chiraldi, tout le monde! C'est juste que c'est toujours long quand il descend, Esti. Parlant de spectacle à plugger, on a Guillaume Lampron, notre serveur, ici. Non! T'es où, Guillaume? Guillaume est en train de chier, mais il fait un spectacle de 30 minutes avec des premières parties. C'est quelle date déjà? C'est le 25 août. Allez voir les billets sur son link in the bio et Instagram. Bon, je fais ta plug, tu me dois 20$. C'est maintenant le temps du milieu de l'épisode où on vous parle de ben du Gang Show. Écoutez, si vous le voyez sur YouTube en ce moment, c'est le fun. Si vous l'écoutez en audio, c'est le fun, mais il n'y a rien de plus le fun que le voir en vrai. Mais comment qu'on fait, Anthony, si on veut le voir en vrai? Tu t'abonnes à 7$ à notre Patreon, puis ça te donne accès aux billets en primeur. Ouais. Fait que fais ça, puis ça te donne aussi accès au live les semaines que tu peux pas venir le voir. Ça te donne accès à tous les avantages, en fait. Puis je pense que tu peux passer ça sur tes impôts si t'es pas fiable. Yes! Sinon, je suis en tournée. Va voir ça sur anthonyremillard.ca. C'est quoi tes prochaines dates, Anthony? Écoute, j'ai le 2 novembre au Studio Québec, Studio TELUS. J'ai demandé les dates, pas les villes. 4 novembre, Valleyfield. 8 novembre, Montréal. 17 novembre, Longueuil. 5 décembre, Gatineau. 8 février, Terrebonne. 15 février, Sherbrooke. 7 mars, Lévis. 8 mars, Trois-Rivières. Puis il y en a d'autres qui vont s'ajouter. Parfait! Yeah! Je suis content pour toi. Ben, merci, Charles. On retourne à l'épisode. Hey, toi aussi, t'es en tournée. Je suis capable. Et on continue ça avec Les Lamo! Les Lamo! Bonsoir. Bonsoir. Voyant les styles des gangs là, il se peut que je ne vais pas faire longtemps sur cette scène. Alors j'en profite pour vous dire, premièrement,
si vous allez aimer ma prestation, vous pouvez me trouver sur les réseaux. Ouais, vous pouvez me trouver sur OnlyFans. Si la personne qui est à côté de toi rit, je t'avoue que tu viens de découvrir ce qu'il fait pendant ce temps libre. Ne me remercie pas pour cela. Vous avez aussi découvert d'où viennent les milliers de vues qui sont là-bas. Mais deuxièmement, je tenais aussi à vous dire pourquoi. Pourquoi change-t-on tant de positions lorsqu'on les fait? Dites-moi, je n'ai pas compris. Parce que la chose, on la met dans le même trou. Bordel, dites-moi, pourquoi change-t-on tant de positions lorsqu'on veut faire un swing au golf? En quoi vos têtes, vous pensez à autre chose, hein? Hein? Ce n'est pas vraiment catholique. Et troisièmement, l'autre chose que je tenais à vous dire est que moi, je suis un statisticien. Et en quoi les statistiques? Écoutez-moi bien. Depuis qu'ils ont annoncé leur divorce, le nom Justin a été cherché, tapé un millier de fois sur Tinder et Facebook Dates. J'avoue que les Québécoises et les Canadiennes sont culottées. Hein? C'est-à-dire, information, automatiquement, Tinder, Facebook. Mesdames, dites-moi, qu'est-ce que vous allez chercher là-bas? Laisse l'amour! Je vais commencer tout de suite en disant, t'as tout ce qu'il faut, sauf les blagues. Il y avait pas de blagues, mais... J'avais le goût de t'écouter, vraiment, mais c'est tes blagues, t'as le charisme d'un preacher et t'as l'air d'avoir les valeurs d'un preacher aussi. Amen! Je récolte l'offrande après. T'as quoi? Je récolte l'offrande. Oh. Mais c'est ça, c'est la petite blague de sexe avec le golf, c'était mignon, c'était cute, mais c'est pas assez punché. On vient d'avoir Angelo qui vient de faire une joke de grosse queue, puis ça rit solide, puis là tu as de la misère à nommer faire l'amour. On a de la misère à savoir sur quel pied danser. Là, on est entre adultes, on peut là, dire fourré. Mais pour vrai, sur scène, j'ai le goût de t'écouter. Mais c'est ça, ça manquait de blague. Moi, tu m'as donné le goût d'écouter Big Bang Theory. Je peux comprendre. Lui, il a pas l'air de comprendre pourquoi, mais... Moi, tout le long, j'avais l'impression d'avoir un prince héritier qui m'appelait pour que je lui envoie de l'argent. C'est quoi ton background dans la vie? Qu'est-ce que tu fais comme job? Qu'est-ce que tu fais comme job? Ouais. Je sais pas, des jobs. Non, comme travail, c'est quoi ton métier? C'est quoi ton travail? Tu fais quoi dans la vie? Est-ce que t'es étudiant? Est-ce que... Moi, je me cherche et tout ce que je trouve comme travail, je fais. J'ai une question pour toi. Est-ce que t'es né au Québec? Non. Est-ce que je peux savoir, t'es d'originaire de quel pays? Ben, regardez la classe. Ouais, non, mais je sais, mais Chris, il y a... Je viens du Congo. Tu viens du Congo. Ah, voilà. Est-ce que ça fait longtemps que t'es au Québec? Pardon? Est-ce que ça fait longtemps que tu es au Québec? Ça fait... Ouais, c'est ça. Je compte. Ça fait combien de temps? Ça fait longtemps. Ça fait 2 ans. 2 ans? Ouais. Tabarnak, OK. C'est pas longtemps, 2 ans, là. T'es encore en train de... C'est exactement la durée de l'école de l'humour. Pour apprendre à faire des blagues. Ouais, mais non, on va pas l'envoyer à l'école de l'humour. Non, mais... Tu disais, c'est que 2 ans, c'est assez pour apprendre à faire des blagues. Oui, je comprends, mais ça fait 2 ans que t'es au Québec. Est-ce que t'aurais voulu être humoriste quand t'étais au Congo aussi? Exactement. Ah! Mais c'est ça, t'as toutes les qualités pour l'être. Je pense juste, observe un petit peu plus les gens au Québec, puis regarde pas ce qui les fait rire. Toi, regarde ce que tu trouves drôle d'eux. Je pense qu'elle est là, la nuance. Moque-toi d'eux. Ils ont toutes des têtes de merde. Moi, je pourrais faire plein de blagues sur eux. Ça, c'est drôle. Parce que t'es très bon, t'es très charismatique, pour vrai. T'es très intéressant à écouter. Je pense juste que tu sais pas ce que... Je pense que tu sais pas encore ce que tu veux dire sur scène. Prends le temps de regarder qu'est-ce qui te fait rire sur le monde. Puis je suis convaincu que la prochaine fois que tu vas revenir, il y a personne qui va te ganguer. T'es vraiment bon, pour vrai. Merci. Ça fait plaisir. Laisse l'amour, tout le monde! On continue ça avec Tissa! Tissa!
OK, non, ça me tentait, là. Je sais même pas comment enlever ça. Moi, dans le fond, je suis crissement malaisante. Mais genre, mettons, il y a différents niveaux de malaise. Puis quand Dieu a fait comme, OK, t'es ça. Ah! Ah! Lucifer a fait la tête, toi, mon père! Puis moi, je suis... OK, bizarre de prémisse, pourquoi? Ben moi, je viens d'une mère qui est pasteur. Puis d'un père qui fait de la magie noire. Je sais pas pourquoi tout le monde vient de comprendre pourquoi je ressemble à ça. Ouais. Bref. Donc, ça donne ça. Fait que, étrangement, ça m'a pris 30 ans. Puis là, je viens de dire mon âge pour tous ceux qui sont sur mon OnlyFans. J'ai 14 ans. Donc, fait que quand j'ai eu 30 ans, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe avec mon cerveau? Tout d'un coup, j'ai voulu les affaires que je voulais pas avant. Quand tu regardes ma shape, j'ai clairement pas l'air de la fille qui s'est fait comme « Babe, tu me fais un sandwich, puis après, tiens, t'asseoir sur ma dick! » Hé, y'a où l'autre qui disait pas « pénis, sexe, amour, sexe, 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 sexe? » Bref, j'ai pas l'air de ça. J'ai plus l'air de la fille qui va faire « Babe, si tu me fais chier, j'ai fait ça de ça! » Puis je t'encule. Puis étrangement, quand je dis ça, je suis sûre et certain que vous en doutez pas. Puis Maria, j'ai une glacière rempli de ce petit gros ding-dong de tous les formats et de toutes les couleurs. Désolée, maman! Mais c'est ça. Fait qu'en gros, moi, je me suis dit que je serais peut-être bonne pour faire de l'humour. Je me suis dit, je suis capable de meubler des conversations qui sont des fois plates, puis malaisantes. Genre, je retournais à l'école 11 ans plus tard. Au secondaire. Parce qu'évidemment, je suis noire, puis je vendais de la drogue au secondaire. Je faisais des graffitis, puis je menaçais le directeur. Non, c'est pas vrai. Il appelait ma mère, je pleurais, puis je disais, « Mamie, je regrette, Jésus, Jésus, Jésus! » Descends! Tu nous rends la tâche tellement plus facile parce que tu l'as dit en rentrant sur scène que t'étais malaisante, fait que la glace est brisée, on peut y aller. Chris que oui! J'ai chaud! Fuck! Péter la gueule, hein? Je le sais, mais tout le monde peut me péter la gueule. C'est de même que j'ai appris à vivre. Non, Chris, c'est intéressant ta prémisse de ta mère est pasteur puis ton père fait de la magie noire. Yes. C'est une info folle puis t'as pas, tu nous as lancé ça, on a compris plus, mais t'es pas allé plus loin là-dedans. C'est tellement riche, tellement intéressant. Genre, j'ai comme, je veux ça finalement. T'as tiré un peu partout. C'était-tu ta première fois sur scène? Ouais, puis je suis TDAH. Fait que je te dis donc, comme tu sais comment je parle vite en disant TDAH. Ah, le H ouais, est ouais. Intense, là, tu sais. Ouais, ouais. Fait qu'à un moment donné, quand il y a trop de lumière, fait chaud, j'ai chaud, j'ai... Fait que ça donne ça. Mais ça avait l'air de ça, c'est ça. C'était quelqu'un qui monte sur scène pour sa première fois, c'est pas comment gérer ça. Fait que tire un peu partout. Prochaine fois que tu montes sur scène, je pense que t'as brisé la glace pour toi. Humainement, tu sais c'est quoi le feeling. Ouais. Fait que la prochaine fois, tu peux vraiment plus te minder puis écrire en fonction de ça. Puis je suis sûr que ça va être vraiment mieux placé ton numéro. Là, c'était diffus, c'était pas clair, on savait pas. Mais Chris, t'es intéressante. Là. Genre, tu montes sur scène, on veut savoir ce que t'as à dire. Ouais, ben c'est ça l'affaire. C'est que t'as un look incroyable. T'en as pas parlé, t'as fait une blague là-dessus, une allusion là-dessus. Tu peux pas... Mon opinion... Tu peux pas arriver sur scène et jamais mentionner tout ça. T'es un personnage incroyable. Puis tes parents, leur métier, c'est... Puis ça se peut que t'as pas envie d'en parler, mais dis-nous-le pas, parce que Chris, moi, je suis resté sur mon appétit, je veux tout savoir. Ah, ouais. Oh, clair, j'ai envie d'en parler. C'est qui, le petit débile aussi, qui met ses dildos dans une glacière? Ça? Arrête vrai! Non, pourquoi? Pas pourquoi? Pourquoi tu veux les refroidir? La pousse-pousse a besoin de rafraîchissement. Non! Mais tu vois, mettons... Ça, c'est drôle. Ouais. En fait, tu m'as fait poser beaucoup de questions, puis t'as répondu à aucune de mes questions. Puis c'est le travail de l'humoriste. Ouais. Donne-moi une info et réponds à cette info-là. T'as brisé la glace, c'est réglé. Je pense que la prochaine fois, là, tu vas arriver, ton TDAH va partir, tu vas être plus prête, tu vas savoir ce que tu veux dire, mais t'es franchement intéressante et magnifique. Vraiment, pour de vrai, t'es
t'as quelque chose de vraiment unique. Oh oui, c'est la vraiment. C'était vraiment quelque chose d'unique, mais là, c'est à toi de te doser, toi, parce que tu peux pas juste te reposer sur ton look. Clairement pas, je m'étais pas reposée là-dessus, je me suis reposée sur mon téléphone que j'ai laissé là-bas. Ça, c'est le TDAH. Oh non! Ouais! Ça, c'est genre, je suis prête, fuck you, mon téléphone, j'ai envie de pipi, je peux pas y aller. Oh ben, toi. Mais tu vois, tout ça, tu vas le gérer avec le temps si c'est ce que t'aimerais faire dans la vie. Vraiment. Mais t'es courageuse d'avoir tous ces cheveux sur la tête. T'as 10 ans, pis c'est les vrais. 10 ans? 10 ans. T'as 10 ans que t'as ça? 10 ans, aux 2 semaines, je fais ça. Avant, j'étais blonde platine. Fait qu'aux 2 semaines, je faisais mes cheveux. En avant, en arrière, 10 ans, là. Pis c'est moi qui le fais, c'est mon métier. Oh, t'es coiffeuse? Ben, à vrai dire, je fais des dreads, je fais des tresses, je fais des tattoos, je fais des piercings. Tout ça, va chez toi, pis t'écris là-dessus. Ça, c'est malade. Je veux savoir, man, comment est-ce qu'une fille peut faire autant de cheveux, de dreads, de tattoos, de piercings. Son père fait de la magie noire. Sa mère est preacher. Dude, t'habites où? Dans une grotte? C'est malade. Je veux tout savoir. Tu fais-tu du voodoo? Ouais. What? Mais c'est ça que je veux savoir. C'est tout ça qu'on veut savoir. Essaye pas d'être drôle. Juste dis-nous ta vie. Non seulement ça, mais en plus, être un personnage dans tous les Far Cry. C'est... Yo, t'es malade, pour vrai, bravo! Ouais. Très niché, mais... Ouais. Ben moi, j'avais de la misère à me concentrer parce que ça manquait de jokes, mais aussi tout le long, je me demandais, ils sont rendus où d'Oba Caracol? Aucune référence de ça, malheureusement. Oh, okay. Oh, ta gueule! Ouais. Ben, t'as une prestance sur scène qui prend des années à avoir, puis tu l'as en partant. Ça fait que ça, bravo, puis c'est ça. Va écouter les podcasts, lire des livres sur c'est quoi les procédures humoristiques, comment juste comprendre c'est quoi la... Tu sais, la base d'une joke, c'est de créer une surprise. Tu sais, juste apprendre comment le procédé humoristique marche là. Puis, t'as tellement d'affaires à raconter qui sont intéressantes qu'après, je m'inquiète pas. Là. Charles, je m'excuse, OK? tu peux lui donner tous les conseils que tu veux. T'es incroyable. Mais d'aller lire des livres, je pense qu'elle... Elle va tout faire sauf aller lire un livre. Elle a de la misère. Non, je les invoque. Elle est tellement fucking TDA. Va regarder des shows d'humour puis demande-toi s'il y a quelque chose là-dedans qui t'intéresse. Mais surtout, viens nous parler de ta vie. C'est ça qu'on veut. Fuck les livres, est-ce que tu me dis là, toi? OK, j'ai rien dit. T'es ça! C'est malade. Et on continue ça avec Big Max. Big Max! Big Max! Non, non, Max revient, là. Yeah, Big Max! Non, mais explique-nous, tu nous l'as demandé de revenir sur la scène. C'est le début d'un long processus. Je vais cracher toutes les esties de podcast pour faire la promotion de mon show solo. En rodage cet automne, on sort ça en février 2024. La poche bleue, si vous m'écoutez, les boys, je sais pas où vous enregistrez. I'm coming for you. Le 5 à 7 podcast, you will be Big Maxed. Dominique Tardif, deviens-tu ce que t'as voulu? Je te call out, bro dog. Abba et Preach. Vous autres, vous êtes cool. Faites ce que vous voulez. Le Doc Mayou, y a-tu un podcast, lui? Ouais. I'm coming for you, mon frère. All right, puis je m'arrêterai pas là. Je m'arrête pas au podcast. Je m'en vais sur OnlyFans aussi. Moi, c'est pas des gummy bears que je vais me rentrer dans le trou de pète. Ça va être des grosses Toblerones. Fait qu'on se revoit sur tous les podcasts, les amis. Big Max! Non, ben, c'était ça. C'était ça. Le gag de Toblerone pas assumé. C'est quand même débile que... Y a-tu une voiture, Max? Je sais pas. Oui, t'as une Max. C'est quand même débile que t'aies pris ton char, tu sois venu ici. Ouais, mais que t'aies pris le métro, que tu sois venu ici, t'as crié Big Max trois fois puis tu décollais. C'est beaucoup de temps dans une soirée. Oh, Chris qui est solide, man, il est drôle. Hey, avant le dernier invité, t'as-tu des shit à plugger, Mariana? T'es-tu en tournée quelque part? Oh, mais je suis en tournée partout au Québec avec la tournée Impoli, mais je veux plugger. Qu'est-ce que je veux plugger?
J'aimerais plugger le podcast de, ben, c'est le podcast Jam ton top 3 de mon ami Dave Morgan. C'est très cool. Qui est vraiment cool. Ouais. Moi, je veux plugger mes amis. Fuck me plugger moi. Ça va bien, mes affaires. Ben, ça va pas si bien que ça. Je peux vous parler de... Mes affaires vont... Non, non, j'ai toujours eu bien de la misère à me plugger. Je pense que j'ai beaucoup d'amis très intéressants à plugger. Jam ton top 3 de Dave Morgan. Ça coûte pas grand-chose d'aller regarder ses vidéos sur YouTube. Il est vraiment bon. Je sais pas si vous avez déjà vu un petit peu qu'est-ce qu'il fait, mais il y a lui qui est bon. Sinon, il y a qui d'autre de bon? Juste Dave Morgan. Oui, c'est juste le seul au Québec. Il y a juste Dave Morgan. Oui. Tous les autres... Ah, si vous avez envie de faire une bonne action, mettons. Moi, j'ai mon meilleur ami, il s'appelle King Melrose. C'est un chanteur. Il s'appelle King Melrose parce que... Non, mais attends! Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. J'adore King Melrose. Ça vaut la peine. Il s'appelle King Melrose parce que c'est un fan du King et de Place Melrose. C'est vraiment une... C'est de la merde, son titre de chanteur. Mais c'est un chanteur qui est vraiment très cool. Et le 6 septembre, c'est sa première de son nouvel album. S'il y a du monde qui calisse rien, c'est 15 piastres le billet. T'écris King Melrose sur Internet. Je sais même plus s'il reste de la place, mais je plug mes amis parce que je les aime puis je les admire. Ben, c'est bonne chose. Puis s'ils sont pas heureux, je suis pas heureuse. Fait que voilà. On continue avec le dernier invité de la première partie, Lord Betrave. Lord Betrave! Bonsoir, le bordel 2, ça va? Ouais, tellement mieux que le 1. Je suis très content d'être là. C'est la toute première fois que je viens faire des blagues sur ce continent. Et je suis venu juste pour voir Big Max. Voilà, c'est de... Voilà. Je suis très content. Je viens de Suisse. Pour ceux qui connaissent pas, un Suisse, c'est un Français avec du pouvoir d'achat. Voilà. Ouais. Il y a de plus en plus de Français à Montréal, non? C'est vrai? Et il y a tellement de Français qui s'installent au Québec, j'ai l'impression d'être au 17e siècle. Allez! S'il vous plaît, riez à mes blagues parce que j'ai fait 11 heures d'avion pour venir. J'ai dû faire escale en Allemagne. Mon pays, la Suisse, il est tellement petit que je dois prendre l'avion à l'étranger. T'imagines? Et, non, mais vous vous rendez pas compte, le Canada, c'est très grand comme pays. Toi par exemple, tu prends ta voiture, pendant 24 heures, tu vas à l'ouest, t'arrives à Winnipeg, ça va. Moi, je prends ma voiture, je fais 24 heures à l'est, j'arrive en Ukraine. C'est pas la même ambiance. Ah. En plus, moi, je peux rien faire à la guerre. Je suis suisse. Tu sais, les Ukrainiens, ils me donnent une arme. Je suis là, mais je peux pas. J'ai déjà l'argent de Poutine. Je peux pas tout faire. Non, en plus, je veux dire, militairement, on peut rien faire. Tu vois. Enfin, Poutine, j'ai vu l'autre jour, il veut tirer des missiles sur un satellite. T'imagines la différence de technologie? En Russie, ils peuvent tirer sur des satellites. En Suisse... On peut toujours pas modifier un fichier PDF. C'est la merde. Bon, je suis très content d'être là. Vraiment, ne vous sentez pas obligé de réagir à mes blagues, ok? Parce que moi, dans la vie, je suis prof. Ouais, du coup, parler à des gens qui réagissent pas à ce que je dis et qui attendent un gong pour que je ferme ma gueule, j'ai l'habitude, hein? Je suis prof de français, c'est assez facile. Tu donnes des cours de français à des gens qui parlent déjà le français. Mais ils apprennent des trucs, mes élèves, hein, sur leur langue maternelle, parce que tu vois, mes élèves, ils sont cons. Non, alors on dit plus cons maintenant, on dit dyslexique. Non, pardon. On dit plus cons, on dit qu'ils vont à leur rythme. Le rythme est pas ouf. En plus, t'as vu, j'ai mis des guillemets. Quand tu mets des guillemets à l'oral, c'est horrible, faut pas le faire. C'est tout le temps dénigrant. Mais il y a ma grande-tante qui m'a fait le coup des guillemets l'autre jour à un repas de famille. Bon, elle est vieille, hein, 82 ans. Tu sais, on était là, tranquille, on mangeait, t'as coupé le mergal, elle fait « Alors, comment ça se passe, cette carrière d'humoriste ?» Je dis « Bien, ça va. Et toi, cette espérance de vie, ça... » Merci beaucoup. L'Empereur Betrave. Ouais. Merci. Allô? Comment tu t'appelles? Julien. Julien, ouais. Enchanté, Julien. Enchanté. Ça fait-tu longtemps que tu fais de l'humour?
Ça fait 4 ans. Ouais, ben ça paraît. C'est, t'as du métier, ça paraît. T'es vraiment très bon. C'est personne juste... va à Winnipeg, premièrement. Fait que. On va commencer avec ça. Personne va en Ukraine. Hein. Ouais, c'est ça aussi. T'as un accent de marde, mais ça, c'est mon opinion. Tandis que toi. Ouais. Mais, t'as. Écoute, moi, j'ai pas de grands conseils à te donner dans la mesure où est-ce que t'es humoriste. C'est bon, c'est ton métier. T'es professeur et humoriste. Ouais, professeur. Est-ce que t'aimerais lâcher ouais. l'enseignement pour devenir à temps plein humoriste? Ouais. Mais j'en doute pas. T'es vraiment très bon. Conseil de Français, de Suisses, de Belges qui viennent au Québec faire leurs blagues. Ouais. C'est une fois, j'ai toujours rêvé d'en donner un à quelqu'un qui vient de la Suisse, de la Belgique ou de la francophonie ailleurs qu'au Québec. Vous n'êtes pas obligé de nous parler de votre pays, esti. J'ai juste... On s'en calisse. Juste... Je m'en tabarnak. Juste fais des jokes. T'es incroyable. T'as pas besoin de me parler de la Suisse, du fait que okay. vous êtes au-dessus du monde. Moi, je pense que quand tu viens au Québec, on est tellement habitué, comme nous, quand on va en France ou whatever, puis on est comme, ouais, nous, les Québécois, ouais. la vérité, c'est qu'on s'en calisse. Ben, ouais. D'un, vous nous comprenez pas parce que vous êtes tous un peu trisomiques, mais le... On vous comprend assez. T'as pas besoin de te présenter, juste fais tes shit. Pour de vrai. Mais t'es très bon. Bienvenue au Québec, mon gars. Merci. Merci. Ouais, oui. Le... Mais... Pourquoi le nom Lord Betterave? Oh, ouais, ouais j'étais bourré. Non. Voilà, c'est ça, c'est l'anecdote. Non, mais en fait, j'ai un nom super chiant en Suisse. Julien Rossier, c'est comme Jean Dupont, c'est vraiment chiant. Et vraiment, j'étais bourré et je pensais que j'allais faire une fois une scène. J'ai dit, allez, on prend un nom de légume avec un titre de noblesse. Et c'est resté parce que j'ai pas dessoulé. Du coup, voilà. Mais Julien Rossier, juste question, pourquoi c'est chiant? En Suisse, il y en a déjà 5 dans mon quartier. C'est... Ah, des Rossier? Rossier, c'est Rossier, très le répondu. Nom de famille. Ah oh, ouais? Ouais. OK. Ben, tu... C'est comme des Julie Tremblay. C'est comme mettons. Des Tremblay. Ouais, 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 c'est comme un Tremblay. Ah, je sais pas ce que tu mettras, mais c'est ça. Tu mettras ça dans ta petite poche. Okay. Je suis d'accord avec Mariana sur le fait de des Européens qui viennent ici qui font des blagues, mais en même temps je le comprends. On est allé faire des shows en France, puis t'as pas le choix là. Tu veux, t'as peu de scènes, t'as peu de shows. Tu veux arriver avec ton meilleur matériel. T'arrives. Je comprends 100% le processus, mais ça fait du bien de voir quelqu'un sur scène ce soir qui a du métier. Là. Ça se voyait. C'était ah ok, bravo. Vraiment, t'es bon. T'as un visage. Mais c'est vrai, t'as une bonne gueule de comédien. Là. Ouais, oui. Ouais, on dirait un mix de Mr. Beat puis d'Henri puis sa gang. Holy shit! Je sais pas qui est le deuxième, mais le premier, ça me va super. T'as un visage qui est tellement payant en humour, mais si peu en amour. Wow! Hey, t'as quel âge? Parce qu'on dirait que tu pourrais avoir 70 ouais. et 12. Pour vrai, t'as quel âge? Entre les deux, ouais. T'es-tu dans la trentaine, la quarantaine? J'ai 39 ans. OK, ça fait. OK, ça fait parce qu'avoue qu'on ne sait pas si t'es comme jeune ou vieux. Ouais. Tu te maintiens, est-ce que. Ou Mr. Bean, ou Suisse, ou con, ouais, ben ou trisomique. T'as 39 ans. Allez, j'ai pas. Et juste, question de même, t'es venu au Québec parce que tu voulais t'essayer, parce que t'as des amis, parce que tu voulais vraiment juste. Je vais jouer au Festival Comédia à Québec. Ah, t'es dans le gala, est-ce ouais. que. Non, je crois pas que c'est un gala. J'ai gagné un concours nul en Suisse. Non! Mais t'as gagné un concours. Comme on est deux, ben, je l'ai battu. Et ils m'ont envoyé ici. Ouais. Fait que tu t'en vas au Comédia à Québec. Ouais, demain, je vais à Québec. Très cool. Tu vas voir, ben, tu vas triper sur la ville de Québec. Puis okay. pour de vrai, c'est pas la même chose qu'ici. Oh, ouais, c'est fait. Excuse, hein. Je suis désolé. Mais à Québec, sois pas gêné de faire des jokes sur la Suisse. Eux autres, ça se peut qu'ils soient habitués là, de voir. C'est bon, ça. Ouais. Mais bravo, sincèrement, t'as bien, beaucoup, hein, bien closé. Hey, bon festival, amuse-toi. La Betterave. Bravo. Madza, c'est la fin du show. Oui. C'est tout, c'est fini. Hey, c'était vraiment le fun. T'as été bonne, je pense pas que tu t'es mis dans marde. Ça, c'est encore à voir. Je pense que l'appel du prince héritier pourrait... m'amener des petits troubles. C'est fou, hein? Moi, la raison pourquoi je fais pas de podcast, c'est
honnête, parce que j'aime parler de moi, fait qu'il n'y a aucune bonne raison de ne pas en faire. J'adore parler de moi, c'est pour ça que tu veux un podcast. Par contre, toutes les fois que je veux un podcast, ça finit en scandale. 100%. C'est pour, et c'est pour ça qu'on va arrêter tout de suite. Ça va bien. Mariana Mazza! Si vous êtes rendu jusqu'à la fin du vidéo, c'est que t'as aimé ça ou que t'as vraiment des goûts bizarres de continuer les affaires que t'aimes pas. Mais pour ceux qui ont aimé ça, s'il te plaît, like et abonne-toi à la chaîne pour que tu vois quand il y a des nouveaux épisodes qui arrivent. Puis nous autres, ça l'aide l'algorithme. Puis l'algorithme, c'était ma matière préférée en mathématiques. Oui, et si t'es rendu jusque-là dans l'épisode, ça veut dire que tu t'offres longtemps, t'aimes le sexe. Parlant de sexe, Lens Banger! Merci.